Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Je cherche même comment positionner pour que j'ai une bonne luminosité pour mon live. Bonjour, Valoche, maman Janchou, bonjour. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, 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 connectez-vous et partagez le live. Partagez. Vraiment le sourire de la gloire glorieuse. Là, c'est-à-dire que je suis la terrasseuse. Je terrasse. Wombo, wombo. Élise par-ci, Élise par-là. Élise par-ci, Élise par-là. Vous avez vu ce que ça fait? Oui, 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 oui. Quand vous faites l'apologie à la destruction d'un peuple, parce qu'il faut que l'histoire retienne que c'est vous qui avez commencé avec faire des vidéos sur l'apologie de la destruction du peuple blue et la destruction du peuple Ekan. Maintenant qu'on fait pareil que vous, moi je n'ai pas appelé à la destruction d'un peuple. Je n'ai pas appelé au génocide d'un peuple. Non. Moi, je donne seulement les conseils. Je fais un peu de la mise en place. Élise par-ci, Élise par-là. Wombo Élise, wo Élise, vous me taguez partout. Vous m'appelez même au téléphone. Vous m'envoyez... Mais on vous a dit que je suis le genre de femme qu'on intimide. On intimide les gens qui ont faim. On intimide les gens qui ont faim. Moi, Élise, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je ne suis pas dans vos réunions, je ne suis pas dans votre milieu. Donc, vous ne pouvez pas m'intimider en me disant que Élise, tu vas voir, on va t'enlever dans la réunion, on va faire ceci, oh, tu ne vas plus venir dans nos soirées, vous n'allez pas me voir, je ne vous fréquente pas et ça ne chauffe pas. Donc, vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas. Élise fait ce que... Élise fait ce que vous avez fait depuis 2018, même un peu avant. C'est ce qu'Élise fait. Et ça ne chauffe pas. Mais apparemment, c'est vous que vous pleurez. Vous pleurez quoi? Même quand je parle au mien, vous pleurez. Je m'adresse aux Ekan. C'est vous qui pleurez. Vous croyez que si on ne peut pas faire les réunions du village, Facebook, si, c'est pour tout le monde. Je fais ma réunion de village sur Facebook. Oui, et ça ne chauffe pas. Karine Bibian Richaud, ce n'est pas sur toi que je vais être aujourd'hui. Karine Bibian Richaud, l'interprète de mes lives, je ne serai pas sur toi aujourd'hui. Tu as compris, ma? Je prends mon temps et je vais te répondre. Ce qui est sûr, c'est que je vais te répondre de la plus meilleure des manières que même dans la basse, là, on va te chasser. Tu sais déjà qu'on veut te chasser là-bas, non, ma? Ma soeur, tu sais qu'on veut te chasser là-bas, non? Attends. Je vais te répondre. Mais aujourd'hui, je veux d'abord répondre à Shakiro. C'est sur Shakiro que je réponds d'abord aujourd'hui. Mais Bibian Richaud, ne fuis pas. Je suis sur toi. Je vais te répondre. Parce que tu as déjà fait beaucoup, beaucoup de lives sur moi. Je me donne le temps, je dis que bon... Elle veut les vues, elle veut se racheter, elle veut un peu de reconnaissance. Donc, je la laisse faire. Mais comme tu commences déjà à pousser un peu le bouchon trop loin, je vais te remettre à ta place. Je vais te recadrer pour montrer l'imposture que tu es. Tu es pire que moi, mais en étant avec eux. Tu es pire que moi. Tu es le genre qu'on dit que marche avec ton ennemi et montre-lui que tu l'aimes.
Pourtant, tu n'aimes pas ton ennemi. Moi, je suis le genre qui est. Je dis que je n'aime pas mon ennemi. Hora. Et mon ennemi sait que je ne l'aime pas. Oui, mon ennemi sait que je ne l'aime pas. Mais toi, tu marches avec l'ennemi tout en faisant semblant d'aimer ton ennemi. Toi, tu es lâche. Et eux, ils sont cons. Parce qu'ils te prennent pour leur personne. Ça ne va pas chauffer. Je te dépose d'abord ici. Tu es déjà au courant que Agushuyuda, je vais te répondre. Et convoquez-moi Shakiro ici, dis donc. Convoquez-moi Shakiro. Shakiro, tu as faim. Tu comprends, non, mon fils? Tu as un petit frère de loin, 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 loin. Tu as fait ton apologie au Cameroun, ça a marché. Pourquoi depuis que tu as Mbeng, tu ne te déshabilles pas comme tu te déshabilles au Cameroun? Depuis que tu as Mbeng, tu ne te déshabilles pas, pourquoi? N'est-ce pas, étant au Cameroun là-bas, on voyait seulement tes fesses en l'air? Pourquoi ici tu ne te déshabilles pas? Mets ta caméra, tu te déshabilles comme tu te déshabillais au Cameroun pour dire que tu es un Kwandeng. Pourquoi tu ne fais pas ça ici en Mbeng? Parce que Mbeng, ce n'est pas le Cameroun. Oui, oui, ce que vous vous permettez de faire au Cameroun, vous ne pouvez pas venir faire ça sur le territoire européen, pourquoi? Maintenant, tu es comme un petit chat. Tu parles des droits de l'homme et tout, tu récites maintenant comme un robot. Tu récites les droits de l'homme comme si, mon frère, mon petit frère, tu n'es pas le premier Kwandeng sur le territoire européen. Tu n'es pas le premier Kwandeng sur le territoire européen. Tu es même le genre de un sale Kwandeng parce que tu n'as pas de Kwandengisme. C'est la famine. J'ai été, en prononçant ton nom, j'ai apprécié le fait que tu es allé à l'école. Moi, je ne dénigre pas les gens que je sais que celui-ci en valait la peine. J'ai apprécié que tu es allé à l'école. Hélas, tu dis que tu as fréquenté les mauvaises fréquentations et c'est ça qui t'a rendu un Kwandeng. Pardon. Mais je dis, quand vous tenez souvent un langage pour les Watts, moi je suis ici, ça va bientôt faire 20 ans. Shakiro, je connais tenir le langage qui passe bien dans l'oreille de blanc. C'est ce que tu es en train de faire. Tu tiens un langage qui pénètre dans le cerveau du blanc pour qu'il ait une compassion et une pitié vis-à-vis de ta personne. C'est ce que tu fais. Et malheureusement, beaucoup de petits jeunes Camerounais qui te suivent pensent que c'est comme ça qu'il faut agir quand tu arrives. Te voilà alors en bain. Déshabille-toi. Mets-toi à poil comme tu faisais au Cameroun. Mets-toi à poil. Montre tes lasses. Montre-nous ce qui te sert de noyau. Montre-nous tes noyaux aussi en live, non? Tu faisais ça au Cameroun. Comme le Cameroun, c'est votre poubelle. Pour vous victimiser. Depuis que tu es en bain, fais les lives et fous-toi à poil. On voit. On t'a dit que être un Kwandeng, c'est une tare. On t'a dit que faire être un Kwandeng, c'est faire la publicité, l'apologie. Tu es le premier Kwandeng. Nous avons des juges ici. Kwandeng. Nous avons des médecins. Kwandeng, nous avons des avocats. Kwandeng, tu es arrivé. Cherche tes papiers. Trouve ton boulot et travaille comme tout le monde. Il y a ta mère, ton père, tes petits frères, tes petites soeurs qui souffrent au Cameroun. Parce que si on filme la maison de ta mère, comment on dit que je vois à l'ouest, tout le monde est milliardaire. Si on filme où vit ta mère, où vit ta famille, on va voir que ce n'est pas trop ça. Tu es arrivé en Mbeng, va travailler. Va voir. Tu crois qu'on va te nourrir ici parce que tu dis que tu es un Kwandeng? Ça va quelque temps, hein, le temps que tu obtiens les papiers. Hein. Mon frère, ici on travaille. Viens travailler aussi et construis une maison à ta mère. Nourris ta mère. Élève ta mère. Mets ta mère en haut. Parce que quand tu es déjà ici, comme nous tous, quand nous arrivons ici, c'est pour changer la vie de nos familles. Tu as la chance d'avoir encore ta maman. Construis une belle maison luxueuse à ta mère. Va bosser. Va bosser. Ton parcours t'a amené là. Tu as su jouer. Comme on dit que quand quelqu'un exagère dans le cinéma, le scénario t'a même dépassé. Papa, le scénario que tu joues au Cameroun t'a dépassé. Donc voilà alors. On va dire que toi, on retiendra que toi, tu es venu en Mbeng parce que tu as joué un bon scénario. On ignore quoi. Vous prenez vraiment les gens pour les cons. On ignore quoi.
On ignore quoi? Faux et usage de faux, on ignore quoi? Mets ton intelligence au service des Belges qui t'ont fait entrer. On t'a dit qu'on va te tenir, on va te nourrir. On t'a dit que le pays belge qui t'a accueilli va passer toute sa vie à te nourrir. Mais ben, tu es malade ou quoi? Ben, tu es con ou quoi? Hein? Tu as la matière grise dans la tête. Allez, va bosser. Va faire un petit rattrapage sur pied. Puis tu vas travailler même à l'usine. Alors, tu me la boucles. T'as compris? À peine arrivé, tu veux saouler les gens? Tu es arrivé en bain avant qui? On te dit qu'on est arrivé en bain avec ce avec cette étiquette. Les gens sont arrivés en bain avant avec cette étiquette. Tu connais le nombre de Kwandeng qui sont arrivés en bain avant toi? Tu es arrivé en bain avec une sale étiquette. Je dis ça, j'assume. Tu es arrivé en bain avec une sale étiquette. Avant toi, il y avait des Kwandeng qu'on connaît ici qui sont discrets. T'as compris? Que même au Cameroun, personne ne peut imaginer qu'ils sont Kwandeng. Tu fais la publicité du Kwandengisme, tu nous pompes l'air. Au Cameroun, tu nous montrais tes vieilles vilaines fesses. Tes vieilles fesses. Si ce n'est pas ton trou du cul qu'on voyait, ce sont tes mimbangs qu'on voyait au Cameroun. Exhibe-toi encore. Mengnambengé. Exhibe-toi encore. On va te dire que mon petit, calmos. Calmos. C'est ça qu'on va te dire ici. Tu as compris? Maintenant, tu fais le direct avec un air doux Jésus. On te donne le bon Dieu en sacrifice. Tu croyais que tu arrivais où, papa? Ici, c'est une place. Même le gnoxeur qui te gnoxe là, le jour que tu refuses de te mettre à quatre pattes, il te botte le cul et tu sors de sur lui. Tu as compris? Le gnoxeur qui t'a accueilli là, le jour que tu ne te mets pas à quatre pattes, il te botte le cul. Tu sors de chez lui. Tu as compris? Ici, là, c'est le... Voilà alors la vraie vie qui commence. Pas tes pètes-pètes que tu faisais au Cameroun, là. Je dis que pas tes pètes-pètes que tu faisais au Cameroun. Voilà la vraie vie qui commence ici. Montre-nous que tu es arrivé. Tape sur la poitrine. Construis une maison à ta mère. Construis une maison à ta mère. Enlève ta maman dans la misère camerounaise. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on ne veut plus entendre que... Maintenant, on ne veut plus entendre que... Parce que le blanc connaît déjà ton A1. Tu as fait ça pour le blanc. Le blanc maintenant connaît ton A1. Le blanc t'a aidé à entrer dans son pays. Tu as monté le dossier sur la souffrance. Et je vais te dire que c'est une étiquette qui va te coller à la peau. Tu ne connais pas l'homme blanc. C'est une étiquette qui va te coller à la peau. Parce que comme tu as mis tes vidéos là, pour qu'on t'aide à venir, ce sont les mêmes vidéos là qu'ils vont utiliser pour que tu n'occupes pas un poste digne de ce nom. Pas les histoires que tu disais dans ta vidéo que quand j'étais à l'école, j'avais 19 sur 20. On me disait que comme tu fais là, qui va te... Même ici, le Watt aime la discrétion, mon petit. Ce que tu es, on s'emballe les caouettes. Mais s'il te plaît, sois discret. Tu ne peux pas aller travailler dans un bureau. Tu te tournes les fesses comme tu tournes là. On va dire que c'est de la provocation. Oui, oui. On va te dire que c'est de la provocation que tu fais. Pour t'apitoyer sur le fait que tu sois en Kwandeng. Donc tu viens ici, tu veux parler de la loi à qui? Tu veux parler de la loi à qui? Je suis bien placé pour connaître la loi européenne et en particulier française. Je suis bien placé. Dans tes petits trucs que tu viens de faire là, comme tu viens d'arriver, tu fais tes petits trucs. Ne donne pas alors la touma au gars là. On t'a déjà jeté dehors. Mon frère, tu vas confirmer ton code de bain. Tu peux même avoir le kaolo comme tu as là. Mais tu n'as pas où dormir. Tu n'es pas au courant. Quand les gens dorment ici dehors, même ayant les kaolo, ils sont dans les foyers ici dehors, même ayant des kaolo. Tu vas confirmer ton bain. Il faut demander à tous les anciens siens qui t'entourent là, que mon frère, ton bain était comment. Tu viens d'arriver, tu crois que parce que tu as eu
Les kaolo tchi, c'est bon. Je dis que le jour que tu ne donnes pas les lasses au petit jeune avec qui tu es là, il va te jeter dehors comme un malpropre. Et tu vas alors commencer à connaître les qui sont les Africains en Bénin. Ceux même qui t'applaudissent là, ce sont les mêmes qui vont te fermer leur porte au nez. Ce sont les mêmes qui vont fermer leur porte au nez en ce qui te concerne. Parce que ceux même que tu sais, quand tu crois qu'ils peuvent t'accueillir, aucun parent, je dis bien qu'aucun parent, aucun couple avec des enfants, avec ton agitation là, ne peut ouvrir sa porte pour t'accueillir ici en Bénin. De peur que tu viennes gâter les enfants qui sont à la maison. Pas gâter parce que tu vas les nacler. Ils vont gâter, et tu vas les gâter parce que tu vas avoir une influence négative sur eux. Tu as compris, mon petit frère. Tu gères ton Bénin. Enlève ta famille dans la misère. Concentre-toi. Je ne peux pas dire que tu as eu la chance. Parce que ça, c'est une chance saleté. Avant toi, on avait l'inquandung camerounais. Après toi, il y en aura d'autres. C'est la façon dont tu veux faire croire qu'il faut faire l'apologie du léléisme, du chantage à un État. Pour arriver en Bénin, que moi, je t'ai dit que non. On ne fait pas comme ça. Donc maintenant, on doit encourager les parents qui sont au Cameroun, doivent encourager leur fils à devenir Kwandung parce qu'ils doivent venir en Europe. On vous dit que les Européens sont prêts à prendre toute la poubelle africaine. Qui vous a dit ça? Que les Européens sont prêts à prendre toute la poubelle africaine. Tu as eu ta chance. J'ai ton bain. Un tour. J'ai ton bain. Parce qu'ici, il y a des vrais problèmes. Même comme tu es Kwandung, là, tu seras face au racisme. Même avec tous tes diplômes, tu seras face au racisme. Tu seras face à quelqu'un qui va te dire que va me sucer la bite aux toilettes pour avoir un poste. Ce que tu dis du Cameroun là, il y a beaucoup qui vivent ça ici, en Bénin. Mais les gens ont honte, ils se taisent. Il faudra que quand ça va t'arriver, quand ça va t'arriver, ça va t'arriver ici en Bénin, mets aussi la caméra pour dénoncer. Hein. Il faudra mettre la caméra pour dénoncer. Quand tu seras face au vrai racisme. Tu crois que tu es allé à l'école plus que qui ici? Hein? Plus que nos enfants. Plus que les enfants métis qui sont ici. Plus que les enfants des Camer qui sont ici. Plus que les enfants des Watt. Mon frère. Même avec toute l'école que tu dis avoir fait. Ici là, tu vas faire le ménage. Tu as compris? Ici, tu vas faire le ménage. Parce que la première erreur que tu fais, mon petit, la première erreur que moi je juge que tu as fait, c'est d'arriver ici, tu entres dans le milieu africain. Tu entres dans le milieu africain. C'est fini pour toi. Comme c'est là. C'est fini pour toi. Je dis bien que c'est fini pour toi. Parce que les gens qui arrivent fuient d'abord le milieu africain. Les mêmes gens qui t'acclament, ce sont les mêmes gens qui vont fermer la porte demain quand le petit gars qui te niasse là, qui te binda le lasse là, va te foutre dehors. Tu vas voir qui va te prendre. C'est où tu vas voir notre vrai visage, nous les Benguistes. Tu vas voir notre vrai visage et tu vas confirmer le code. Toi, tu peux m'insulter. Tu arrives à yeah, comme toi. Tu gesticules trop. Même le blanc n'aime pas ça. Même le blanc n'aime pas ce que tu fais là. On t'a donné, tu as à peine le visa, non? Tu es encore en mode visa. Tu n'as même pas encore 1 an ou 5 ans pour dire que oui, j'ai déjà 5 ans. Tu vas t'en prendre à tout le monde, porter plainte à tout. Oh, je la loi, ceci dit que tu vas me dire. Tu es venu ici parce que les gens vont te dédommager. Tu es venu ici pour que les gens vont te dédommager. Tu seras payé au centime. Je dis bien que l'imbécile qui t'a dit que va me porter plainte. Mouf, va me porter plainte. Voyons Dieu. Au centime. Si tu crois que parce que je vais te porter plainte, tu vas me manger de 60. Tu as faim. Ça s'appelle du chantage. Monsieur, vous me faites du chantage. Vous voulez m'estorquer de l'argent. Ah oui, oui, oui. Comme tu parles de la loi là, la même loi me concerne. Vous me faites du chantage. Vous voulez m'estorquer de l'argent. À peine arrivé du Cameroun, vous êtes les premiers à porter plainte aux gens. À peine arrivé, vous avez travaillé en France? Vous avez travaillé en Europe? Qui vous connaît? Vous avez cotisé quoi ici?
que l'administration des droits vous connaît. Zahayemwo. Coco, je vais te porter. Va me porter plainte. Petit escroc, va. Escroc. Tu joues. Si ton penchant sexuel pour faire du chantage aux gens. Tu crois que tu peux me faire du chantage? Hein? Parce que soi-disant tu es homosexuel. Tu peux? On te dit que les homosexuels font du chantage aux hétéros pour avoir de l'argent? Mon petit, comme tu connais la loi, mais tu ne connais pas la loi profonde de la racaille de Mbeng. Tu ne connais pas la loi que nous, mais la racaille de Mbeng impose, mon frère. Le jour que j'obtiens le jour que j'ai ta convocation, je vais me torcher le cul en public avec. Je vais me torcher le cul en public ici avec. Tu as compris? Tu es venu ici pour estorquer tes compatriotes? Tu es venu estorquer tes compatriotes? Tu as faim? Va bosser! T'as compris? Être condamné, ce n'est pas un titre. Être condamné, ça ne donne pas. Ça ne donne pas le boulot. Être condamné, ça ne donne pas du travail. Va bosser. Thérèse, il faut arrêter vos conneries que vous racontez là. Il faut arrêter vos... Je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais il faut arrêter vos conneries que vous racontez là. Il y a des Kwandenga qui souffrent, qui misèrent ici en Beng. T'as compris? Il y a même dans les... certains qui se retrouvent dans des foyers, mais qui n'arrivent pas à manger deux repas. T'as compris? N'encouragez pas la bêtise. Il est arrivé en Europe qu'il aille bosser, comme tout le monde. T'as compris? Vous croyez que les Européens n'ont que ça à foutre? Porter la misère africaine sur les épaules? Vous croyez que les Européens n'ont ça qu'à voir, que ça à foutre? Porter la misère des Africains sur les épaules? Pourtant, il y a plein de miséreux ici en Europe. Bah, arrêtez de les prendre pour des cons. Il a eu sa chance. Il aime bien. À quel prix? Avec quelle image? Maintenant qu'il aille bosser, encouragez-le à se faire discret, à aller bosser. Parce que le même système qu'il a utilisé, c'est le même système qui peut se retourner contre lui. Et n'oubliez pas que nègre joue, nègre toujours. Ce n'est pas parce qu'il fait le Njansan. Ce n'est pas parce qu'il fait le Njansan. Nègre joue, nègre toujours. Même les Nkwandeng Mbeng blanc souffre. Personne n'a envie d'employer un Kwandeng qui vient tourner les fesses en entrant dans son bureau pour aller travailler. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. C'est un petit frère qui vient d'arriver. Demandez-lui qu'il se calme, qu'il se fasse discret. Il cherche, il assoit son papier. Ce n'est pas avec en disant, oh, je vais porter plainte à tout le monde. Tu arrives, tu veux porter plainte à tout le monde, mon frère. On t'a dit que c'est comme ça qu'on gagne l'argent en même. Tu sais ce qu'on appelle porter plainte à quelqu'un. Il y a des plaintes ici qui font 10 ans. Ça n'arrive même pas chez le juge. Hein? C'est un maître chanteur. Toutes ces vidéos sont là. Il faisait même le chantage à certaines personnes. Est-ce que, mais mon frère, je dis, tu crois que toi-même tes antécédents que tu laisses traîner là sont des bons antécédents? Tu veux me faire du chantage? Tu veux racketter de l'argent sur mon dos? Tu veux te faire la pitié? Il est habitué à la vie facile, mais on ne lui a pas dit que l'Europe, c'est l'Europe. On ne lui a pas dit que l'Europe, c'est l'Europe. Comme il parle autant de droits là, il ne connaît pas que les mêmes droits qu'il a là. Moi-même, j'ai les mêmes droits. Mon petit, les mêmes droits que tu chantes tes articles 1, 2, 3 pour 104, 58, 2 là. J'ai aussi les mêmes droits. Tu ne vas pas m'estorquer de l'argent. Parce que ce que tu fais, c'est du chantage. C'est du chantage. Et je parle en français. Et j'appuie mes mots et je les place bien. Tu me fais du chantage.
Donc, à peine arrivé, 2 mois, tu veux déjà 75 000 euros. Comme au Cameroun, les gens que tu faisais le chantage au Cameroun sur eux ne t'ont pas donné un centime, même pas un radis. C'est sur Élise que tu dis que tu vas venir gagner 75 000 euros. Ce sera classé sans suite. Tu connais mon statut en Bénin. Vous vous amusez souvent avec les gens. Hein? Tu connais mon statut en Bénin. Tu connais mon statut en Bénin. Parce qu'il y a des statuts en Bénin. Hein? Tu portes même 100 plaintes. Il n'y a rien. Ça n'aboutit nulle part. Je dis rien que nulle part. Si tu penses que tu auras un radis, même un centime, tu n'auras pas. Que les gens ne te mentent pas. Demande aux anciens Kouroum Kouroum comme nous. Nous sommes Beng. Nous avons connu Beng bien. Nous voyons la déchéance de Beng. Nous voyons comment est traitée la race noire en Beng. Tu n'es pas le premier nègre souffreté qui va arriver, qu'on va aider, le temps de te donner un papier que Bopra dégage. On va te donner un papier, on va dire, on va te démerder avec. Et le jour que tu viens renouveler le papier, si tu ne montres pas que tu as même fait une petite intégration, on te reprend le papier là comme on t'a donné. Et tu as l'hôpité. Ne pense pas que l'association des Nkwandeng va rester derrière toi toute ta vie. Ne pense pas que l'association des Nkwandeng va te nourrir toute ta vie. Cherche tes papiers, assois tes papiers et aide ta mère. Enlève ta mère dans les lobbies du pays. Construis-la une belle maison. Tu as compris? Ne viens pas merder les gens ici. Jusqu'à les gens applaudissent. Comme si Élise, c'était une personne qui ne connaît pas la loi. Comme si Élise, c'était une personne qu'on va aller porter plainte. Je vais aller m'asseoir. Je ne peux pas me défendre. Sorry. Sorry. Allons alors en justice. Allons en justice. Les gens qui sont là t'encouragent, ils te mentent. Parce que le jour que tu seras dans la merde ici, là. Mbeng, que tu vois ici. Est-ce qu'au Cameroun, vous êtes méchant? Au Cameroun, vous n'êtes pas méchant. Mbeng, c'est alors la haute magie de la méchancerie entre Camerounais. Je ne parle pas des autres Africains. Je parle seulement entre nous Camerounais. C'est la haute magie de la méchanceté entre Camerounais. Je crois que tu n'as pas encore vécu ça. Mais ça va t'arriver. Tu auras ton baptême de Mbeng. Pour l'instant, c'est tout rose. Comme le gars là t'a accueilli. Il te gnasse Njo. Tu es là. Tu ne mets même plus les perruques. Tu deviens même déjà vilaine. Pourtant, au pays là-bas, malgré qu'au pays, tu disais que tu étais pauvre. Tu brillais plus au pays qu'ici. Tu es le premier Nkwandeng à mettre les perruques sur la tête. Hein? N'assois pas ton kaolo. Tu vas finir au trottoir. Comme beaucoup de tes concitoyens qui font le trottoir ici, on les voit avec la perruque sur la tête. Un homme qui a les mimbangs, mais il faut les gros noyaux comme ça là. Toi au moins, on sait que tu... Nous, on a vu quand tu étais sans caleçon au pays là-bas, tu as les petits noyaux, tes petites casse-noisettes là. Ici là alors, tes frères camerounais sont ici. Tu vois les gros mimbangs comme ça là. Les gros mimbangs. Mais si tu vois la grosse perruque qu'il a sur la tête, tu vas finir comme eux. Tu vas finir comme eux. Si tu ne fais pas attention, si tu ne suis pas le droit chemin. Parce que même certains que tu penses ici qui causent avec toi, retrouve-toi un peu dans la rue. Même 2 jours. On va voir qui va t'ouvrir sa porte. On va voir qui va t'ouvrir sa porte ici en même. Un petit mandem sort comme ça. Aïe, 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 un petit mandem. Tu crois que tu peux me menacer? Et lang noiseau de lang. Tu peux me menacer? Tu peux me menacer? Hein? Tu es né où? Tu es né où? Oui, tu es né au Cameroun comme moi. Mais à part ça, voilà la seule chose qui peut nous lier, toi et moi. Hein? C'est nos origines, hein? Tu peux, tu un affamé comme toi. Tu vis chez un homme et tu parles fort.
On te casse le derrière tous les matins et tu parles fort, mon frère. Va aussi dire, tu as l'adresse. Tu as l'adresse. Tu as l'adresse. Sous couvert de. Le coupe. Sous couvert de. Et c'est lui qui veut me parler fort. Oh, sous couvert de. Au prix de cassage de l'as. Faba beau, on court mon encore lang à nous, me vend à l'ongoué. On doit nyaze comme ma. On ne jambe comme ma. Job beau et lang. Tu es venu pour ça. On te casse les bêtises. Comme ça encore un peu gras là. Tu connais comment finir les nguandanga ici? Les petites fesses que tu as ramenées avec un peu de graisse là. Ils vont finir de fondre ici comme neige au soleil. Tes petites lasses, comme ça encore la graisse. On ne te donne même pas 2 ans. On va te revoir ici, on va dire que tu as le sida. Pourtant, tu n'as pas le sida. On va te faire fondre ça. Comme neige au soleil. Bienvenue au club. Bienvenue dans le monde de Bisounours de Mbeng. Langazou. Tu crois que comme ça encore la forme du cul de porc là, que tu penses que c'est quelque chose. Attends, faut bien voir, hein. Shakiro, je t'invite à bien regarder tous les nkwandenga, hein. Tous les nkwandenga que tu croises là. Hein? Oui, moi, bon, nkwandenga, tous les nkwandenga que tu croises là. Il faut bien le regarder, hein. Regarde bien comment c'est derrière. Regarde. Le faux plat. Le faux plat, c'est comme ça que c'est à ça que ressemble leur cul. Ah sibi 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 sibi. On veut nos billets vont. Oui, tu as encore un peu de me vend. Yanga, yombe pour nous. Oh. La famine va t'attraper ici en Beng. Que même 5 euros, quand la pression que ta mère est malade au pays va t'attraper, qu'il faut que tu cherches l'argent. Oh, le gars qui t'héberge là ne peut même pas te donner 5 euros. Oui. Tu vas voir que tu vas te lancer dehors. Je vais te prêter mes perruques. Et c'est lui qui se lève. Tu me fais du chantage? On te dit qu'on fait du chantage aux gens? Pour extorquer un peu de sous? Tu te crois où là? On n'est pas au Cameroun ici, hein? T'as compris? On n'est pas au Cameroun ici. On est dans un pays de droit et de loi. D'accord? Si tu t'es senti heurté par certains de mes propos, mais viens pas dire que tu vas m'estorquer de l'argent. Petit voleur, va. Petit voleur, va. Jusqu'à c'est toi qui décides combien tu te seras dédommagé. Mais tu te crois où? L'homme ne vibre que. Tu vas réciter les lois de l'Europe là. Tu vas réciter les lois là jusqu'à ça va te dépasser. Tu vas réciter tout le code pénal. On te dit que nous-mêmes on ne connaît pas le code pénal. Afam. On te dit que nous-mêmes, on ne connaît pas le code pénal. Tu as déjà vu que tu arrives devant le Watt. Tu lui dis comment tu connais le code pénal. Il te regarde. Il fait les lunettes comme ça là. Il te regarde si tu es bien à jour avec lui. Il regarde. Il dit que merde, on connaît même le code pénal. Hein? On connaît tous le code pénal. Mais parfois, le code pénal ne sert à rien. Ne sert à rien. Ici. Tu as compris? Quand je vais moi-même emballer toutes tes frasques que tu faisais au Cameroun et tout ça. Le chantage que tu faisais aux gens au Cameroun. Et c'est le même chantage que tu veux venir commencer à faire aux gens ici en Beng. Jusqu'à les gens applaudissent. On va te porter plainte. On va... Maman! Maman, vous ne connaissez pas qu'il y a des fous ici qu'on ne porte pas plainte en Beng. On ne t'a pas dit que vérifier encore le statut d'Élise en Beng. Est-ce qu'elle en vaut la peine qu'on lui porte plainte?
Faut regarder les statuts des gens. Hein. On ne porte pas plainte à n'importe qui. Il y a des plaintes qui arrivent comme ça là. On prend, on met à la poubelle. De toute façon, hein, la France a trop de problèmes en ce moment. Papisa, la France a trop de problèmes en ce moment. Comme tu es en Belgique là, le temps que ça arrive ici, tu vas ramer. T'as compris? Tu viens ici, tu t'excites, tu veux faire, tu veux... À qui? Tu m'insultes, je t'insulte propre. Tu m'insultes, je t'insulte. D'ailleurs, dans ta vidéo, tu m'as insulté. Hein? On t'a pas dit que ça peut aussi se retourner contre toi. Les gens qui t'encouragent là, ne t'ont pas dit que les insultes que tu m'as insulté là peuvent aussi te retourner contre toi. On ne t'a pas dit ça. Hein? On ne fait pas justice soi-même. Hein? En Europe, on ne fait pas justice soi-même. Tu dis que j'étais insulté, tu m'as insulté, ça s'arrête là. Quitte, quitte. 50-50. Tu as compris? C'est 50-50. Ne crois pas que parce que tu es un Kwandan que tu seras au-dessus de moi. Tu ne seras pas au-dessus de moi. Ce sera 50-50. Tu as compris? Tu fais des sorties. Oh, wow, wow. Tu m'as insulté. Je t'ai insulté. Ma vidéo est là. Hein? Il faut aller bien revoir la vidéo. Je ne sais pas si tu as seulement écouté ma vidéo en mode japon. On t'a dit qu'Élise t'a insulté. Non, 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 mon petit. Va re-suivre ma vidéo. Je vais même encore la reposter, la vidéo. Va la re-suivre. Tu verras si je t'ai insulté. J'ai juste dit que il ne faut pas que ça encourage nos jeunes, nos petits jeunes, petits frères au Cameroun et nos petits jeunes, petites sœurs au Cameroun à choisir cette facilité parce que même ici en Europe, après vous allez vous-même knock le dossier. Vous croyez que, vous pensez que les Européens n'ont que ça à foutre à gérer la misère africaine? Non mais on ne paye pas des impôts ici pour gérer la misère africaine. Hein? T'es pas au courant? Nous ne payons pas des impôts ici pour gérer la misère africaine. La misère africaine aux Africains. La misère européenne aux Européens. Nous ne payons pas des impôts pour gérer la misère africaine. Je suis désolé. D'accord? Alors avant de venir l'ouvrir, regarde bien. Relis encore. Mais on te dit que j'ai que ça à foutre. On te dit que mon titre, mes impôts que je paye là, je paye ça pour rien. Hein? Il est trop agité, Lorette. Et on le met dans le trou. Un petit arriviste, il est déjà prêt à venir m'escroquer 75 000 euros. 50 millions, mes chers frères et sœurs. Shakira veut m'escroquer 50 millions. Je récupère toutes ces anciennes vidéos de chantage. Je ramène ça. C'est partout, même à YouTube, partout. D'ailleurs, ceux qui ont tous les vidéos où il fait le chantage aux gens en Afrique, au Cameroun, envoyez-moi ça. Parce qu'il veut me faire du chantage. 50 millions, 75 000 euros. Tu vas me dédommager 75 000 euros. Il l'en. Tout ce doit comme un gym. Maman a l'homme. Et maman a gna à l'homme. Maman a l'homme. Bienvenue au club. Si au Cameroun, on consommait ça petit, en cachette, ici, on va consommer ça à ciel ouvert. Je t'ai dit que 2 ans. Il faut regarder la clique de Nkwandung qu'on a ici en Bénin. Ils ont les joues creux comme ça. Ouf. Le visage émacié. Les lasses.
les eaux au plat. Tu es arrivé, tu as encore un peu de chair. Ça ne fait même pas un mois que tu es là. Tu t'excites. On va te fondre ça comme neige au soleil. Et ça ne discute pas. Tu penses que les petites aides sociales, les petites aides sociales qu'on va te donner au début là, on va te dire ici en Benke, même nos Gwandonga Wat boss va bosser. Assois ton kaolo et disparaît-nous de la vue. Va travailler. Parce que où tu es là, ta mère attend le résultat de ta venue de même. Ta famille attend aussi que tu les mettes en haut. Oui, c'est la misère de nous tous. Ne crois pas que tu seras différent. Malheureusement pour toi, même un oiseau, tu n'as pas laissé que ta mère essuie seulement les yeux avec. Oh, je vais te porter plainte, l'article, tant. Tu vas seulement compter les articles. Les mêmes articles que tu connais là, nous-mêmes, on a ça dans nos cerveaux. On a aussi agi comme toi. On se disait que parfois, avec les articles contre le racisme et tout, on passe seulement au tribunal avec, on a gain de cause. Minalmi, et c'est toi qui auras trop gain de cause. Jusqu'à on vient dire que la communauté LGBT a dit que. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Qui vous dit que être un Kwandung vous donne tous les droits, toutes les raisons? La même loi qui vous concerne là, nous me concerne aussi. Oui. On te dit que parce que tu vas aller me porter plainte pour extorsion d'argent, la France où j'habite et que je paye mes impôts va laisser que leur argent quitte la France pour la Belgique. Je suis un mastodon, hein. Si on ne t'a pas donné mon CV, va encore bien te renseigner sur mon CV de Meng. Va encore bien te renseigner. Il faut mentir les petits souffreteux que tu as laissés au pays là. Les gens qui viennent mettre les gemmes et les trucs sur où tu jacasses. Maintenant tu t'habilles bien. Maintenant, tu t'habilles bien. Maintenant, tu es sérieux ou sérieuse. Au Cameroun, tu t'agitais alors pourquoi? Continue la même agitation ici, tu es dans un pays de liberté. Selon toi, si on t'a dit qu'être un Kwandung te donne le droit de te balader, ils ont une fois par an le droit de faire ce qu'ils veulent. Une fois par an, comment on appelle leur fête là comment? La fête d'un Kwandung là. Une fois par an, ils ont le droit de s'amuser. Hein? Pourquoi tu ne te mets plus à poil comme tu faisais au Cameroun? Pourquoi tu ne fais plus la provoque? Pourquoi tu ne fais plus dans la provoque en Beng? Parce qu'on va te classer. Soit on te classe comme fou, soit on te classe comme déséquilibré mental. Et je peux te dire que évite. Et là, c'est la phase petit conseil de grande sœur. Tu as compris? Moi, je ne vais pas faire dans la boue comme toi. Là, c'est la phase conseil de grande sœur. Amben, il y a ou comment faire pour ne pas s'en faire enregistrer avec des liens schizophrènes. Il ne faut pas te faire considérer comme fou. Il ne faut pas trop te faire considérer comme malade mental. Il ne faut pas trop te faire considérer comme un dépressif. Il ne faut pas trop te faire considérer comme quelqu'un que sa vie est perdue parce que, comme tu as monté ton dossier depuis le Cameroun en disant que tu étais abusé, que tu étais harcelé, que tu étais... Ici, en Beng, tout ce que tu vas dire ici, là, va te coller à la peau. Malgré toute l'école que tu dis avoir fait au Cameroun, là, tu n'occuperas jamais certains postes. Tu ne seras seulement qu'un laquais. Parce que ils vont t'enregistrer comme toc-toc. Que ton haut niveau de toc-toc est trop élevé. Et que tu ne peux pas faire certaines choses dans son pays, dans leur pays. Ça veut dire que même prêter de l'argent, tu ne pourras pas. Même faire des choses, tu ne pourras pas. Tu seras un éternel assisté. Je te dis bien que la partie ici, c'est mot de conseil que je te donne. Là, je te conseille. Je ne suis pas en train de t'insulter. D'ailleurs, je ne t'insulte pas depuis dans ma vidéo là.
La partie ci, c'est mot de conseil. Fais gaffe à comment le blanc va t'enregistrer dans ses ordinateurs. Tu as compris, mon petit? Parce que selon comment tu seras enregistré, même si tu as raison dans une histoire, on va d'abord dire que tu es déglingué. Ah oui, on l'a toujours vu. Hein? Ah non, non, non. Même quand il était au Cameroun, on a laissé ses vidéos. Faut faire gaffe. Hein? Donc, tu seras le genre que quand les blancs, tu arrives quelque part, malgré que tu dis que tu es une grande, grande, quand tu arrives quelque part, tu dis, ah oh non, fais gaffe. T'as pas vu ses vidéos? Oh, tu le connais pas? Oh, fais gaffe, il est... Voilà alors comment nos gens s'y agissent. Laisse-moi t'apprendre comment les gens ici font. Parce que ce que tu crois que tu es dans une lune de miel éternelle. Redescends encore un peu sur terre. Ici et même c'est très grave. Redescends encore un peu sur terre, mon petit. Parce que ici tu seras considéré comme folle. T'as compris? Tu seras considéré comme folle, comme schizophrène. Tu seras considéré comme quelqu'un qui n'a pas... qui n'a pas de sens. Laisse-moi ça, Romy. Laisse-moi ça. Vous prenez les blancs qui sont aussi fous. Vous prenez les blancs qui sont fous. Vous prenez les blancs qui sont fous. Donc vous croyez que le blanc va accepter que son pays se fasse envahir par des gens qui veulent à tout prix venir en Europe en employant certaines manières. Vous croyez vraiment ça? Tu dis qu'il est futé. Hein? Moi-même, je suis très futé. Je suis très futé et je suis prête. Oui. Moi, on ne m'escroque pas, on ne m'estoque pas. Ce qu'il a fait aux Camerounais, au Cameroun, c'est pas moi. Comme il dit qu'il est dans un pays de droit et de loi, je suis aussi dans un pays de droit et de loi. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Comme il a fait des vidéos sur ma personne, eh bien, je refais la même chose. Oui. C'est pareil. S'il pensait vraiment que ce que je lui ai dit l'a heurté, il n'aurait même pas dû faire une sortie. Oui. Il n'aurait pas dû faire une sortie sur ma personne. Il n'aurait pas dû. Vous trompez trop les Africains. Comme vous voyez que ce sont les gens du pays qui nous écoutent, qui nous suivent, vous pensez que vous pouvez leur vendre tous les rêves. Pourtant, vous-même, vous misérez ici en Europe. Vous misérez ici. Vous pouvez parler fort. Je lui ai demandé qu'il se déshabille. Au Cameroun, il se déshabillait. Pourquoi? Pourquoi il ne fait pas la même chose ici? Ne le jetez pas dans, le trou, hein, en lui faisant croire qu'il a trop de droits. Être Kwandong, ça ne veut pas dire que tu dois faire de la provocation. Oui. Être Kwandong, ça ne veut pas dire que tu dois faire de la provocation. Parce qu'on aurait des Kwandong ici qui se baladent à poil. Ce n'est pas le Cameroun ici. Arrêtez de dire que oui, il peut rien. Alors, il va devoir porter plainte à tous ces gens qui lui disent que du calme. Et c'est pour son bien. Moi, je m'en tape les caouettes. Il peut me porter plainte. Hein. Il peut. Hein. Mais ma vidéo est là. Hein. Il y aura même des interprètes s'il le faut. Il y a des interprètes, non? Ah. Ah oui? On ne m'estoque pas, petite affamée, va. Oh, machin, la loi 1, 2, 3, 5, 10 dit que quand tu es ceci, c'était pour le Kaolo. Mon petit, la loi que tu racontes là, c'était pour l'abstention du Kaolo. Si tu as su jouer le jeu dans le cerveau du Watt, maintenant que tu es sur le territoire du Watt, le Watt va te montrer que ici, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande ici en Bénin. C'est le blanc qui nous commande. T'as compris? C'est le blanc qui nous commande.
La preuve en est que depuis que tu es arrivé, tu es comme ça. Fini l'agitation que tu faisais au pays. Fini les fossiles, fini les perruques, fini ceci, fini. Maintenant, tu es comme un petit toutou. Comme un petit chien qu'on tient en laisse. Tu pars là-bas. Tu pars là-bas. Joue ton rôle, easy, easy. Boum. Joue ton rôle. Joue ton rôle, dis donc. Mais il ne faut pas que ce rôle que tu joues là ait de l'impact sur notre petite jeunesse du pays. Parce que tout le monde va devoir se faire défoncer le derrière parce qu'ils veulent venir en Europe. Même le blanc va dire que ce que j'ai dit est vrai. Quand je vais leur dire que, est-ce que vous voulez toute la misère africaine? Vous ne voulez pas nos intellectuels africains, les enfants qui ont bac plus plus. Pour qu'ils viennent développer, se développer ici. C'est ça là que vous voulez nous ramener. Le juge va me regarder. Il va faire les lunettes comme ça là. Elle a raison au fond. Elle a raison au fond. Vous ne connaissez pas les gens ici. Comment? Donc, continue. Bienvenue au club. Je vais trinquer pour toi. Je te félicite. Maintenant, on veut les résultats. On veut les résultats de ton bain. Bienvenue au club. On veut les résultats de ton bain. Change la vie de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Il n'y a pas gras. Chez moi, tu n'auras pas siphon. Tu seras payé au centime. Tu n'es pas au courant. Je suis mère d'enfants, de 6 enfants. 6. Tu crois qu'on va laisser que... Hein? Tu ne vas pas laisser... Tu ne vas pas... On ne va pas laisser que je ne nourris pas mes enfants pour te venir en aide. On va dire que tu... Je suis mère de 6 enfants, amen. 6. Faut belen yintan saman zangba, zangba saman, saman saman. 6 enfants, amen. Tu crois que on va dire que je ne nourris pas mes enfants pour te dédommager 75 000 euros? Zadou, qui te manque, mon frère? Tu crois que la loi va refuser que je nourris mes enfants avec mon maigre petit salaire pour te dédommager? Toi, tu n'es pas malade, tu n'es pas ceci, tu n'as pas besoin. Tu es logé à titre gratuit. C'est l'État belge qui s'occupe de toi. Gracieusement. Et c'est mes petits 1 euro. Qu'on va me dire qu'il faut que je te dédommage. Au déprimant de nourrir mes enfants. Les futurs médecins et juges de demain de la France. Parce qu'il faut que je te dédommage. Mais bien sûr. Il ne connaît pas. Nous sommes ici. Tout le monde connaît la loi. Toi, tu connais la loi que parce que tu voulais le cas. Moi, je connais la loi interne. Même le jour, là, le jour que je me présente au tribunal, on te dit que c'est moi, tu ne vas pas me reconnaître. Hein? On te dit que... Élise, tu ne vas pas me reconnaître. Et tu ne me verras même jamais. Je ne vais même pas payer l'avocat. Il sera gratos. Mon avocat sera gratuit. Il va venir là-bas te dire que fous-nous le camp ici, c'est la France. J'ai tes histoires en Belgique. Hein? On va te dire que j'ai peur pour mes enfants. Mon petit, on va te dire que j'ai peur pour mes enfants. Mes enfants sont camerounais aussi. Hein? Je vais montrer toutes tes sales vidéos que tu affichais sur les réseaux sociaux. Si je vais dire que ça a eu l'impact aussi sur mes enfants. Tu as influencé mes enfants. Tu crois que c'est toi seul qui connais la loi, papa? Je dis que tu n'as jamais eu à affronter une déglinguée ici à Mec. Que toi, tu restes comme ça. Tu dis que même la loi, je refuse. Pardon, partez avec. Partez avec. Partez, oh, je ne veux même plus. J'enlève même ma plainte. Tu n'es pas au courant. Viens t'attaquer. Mais Wanyali ne peut pas si elle est en temps. Ne me si avant. Oh. Je ne sais pas si je suis un roi. Je ne sais pas si je suis un roi. Mais je ne sais pas si je suis un roi.
Tu ne vois pas souvent que les plaintes qui se retournent contre toi. Je crois que j'ai peur de toi. Petite affamée, va. On est à combien là? Tu dis que tu es sûr que les juges ne sont pas comme lui. Tu connais même. J'ai dit ici dès le départ quoi, qu'on a un kwandung de tout bord. Mais même le juge n'a pas lui dit qu'il a un kwandung, il va te dire jamais. Je dis bien qu'il va te dire jamais. Tu les connais. Il va prendre la bonne décision de peur qu'on dise que lui-même, comme il est comme ça, là, ça peut jouer. On le change comme juge. On n'est pas au Cameroun ici. Hein. Ici, c'est la France. Hein. Ici, c'est l'Europe. Ce n'est pas le Cameroun. Donc, arrêtez de rêver avec vos conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux. Là. Oui, la loi a dit que, comme s'il suffit d'écrire juste la loi, 75 000 euros d'amende. Petit arnaqueur, va. Petit arnaqueur, si tu es venu te faire des sous sur tes compatriotes en Europe, j'ai ton bain, va bosser. Je vais dire ça, Hora. Demandez-lui d'aller travailler, monsieur le juge. Il ne peut pas venir faire du chantage à ses compatriotes en Europe. Il ne peut pas venir faire du chantage à ses compatriotes en Europe. Il n'est pas venu pour ça. Vous l'avez aidé? Parce que soi-disant... On l'a agressé au pays, mais alors demandez-lui d'aller bosser. Moi, je paye des impôts, moi. D'accord? Et j'ai des enfants à nourrir. D'accord? Je ne veux pas l'influence. Quand vous avez aussi, quand vous avez les associations de Nkwandung, c'est comme ça aussi qu'on a des associations des hétéros. Vous n'êtes pas au courant. Il y a aussi des associations des hétéros qui vont venir me défendre. Une mère d'enfant. Je vais. C'est-à-dire que. Je vais médiatiser l'affaire là jusqu'à toi et moi, on va sortir sur les réseaux jusqu'à on va voir qui on aura pitié. Quand on va montrer tes frasques du pays, on va montrer comment moi je suis ici là. Je travaille, je paye mes impôts, je paye tous mes factures en temps et en heure. Oui, yen. Petit arriviste, va. Petit arriviste, j'ai ton kaolo. Wawa, j'ai ton kaolo. Et après, nourris ta famille. Ne rêve pas. Je dis ne rêve pas au grand jamais que tu vas gagner de l'argent sur le dos de tes compatriotes en Europe. Ne rêve pas. Tu ne gagneras pas de l'argent en faisant du chantage. Le même chantage que tu faisais sur les Camerounais au Cameroun. Ne rêve pas que tu vas ramener ce même chantage ici parce que c'est une étiquette. Hein? C'est une étiquette que tu te colles à la peau. Ah bah oui, mais je fais mes vidéos. Tu crois que tu peux menacer qui? Mais je fais mes vidéos. Tu crois que la plainte, c'est quoi? La plainte, c'est synonyme de condamnation. Tu crois que la plainte, c'est synonyme de condamnation? Il faut le laisser. Laissez-moi, Olivier, Jean-Nang, là. Les gens qui encouragent le léléisme dans leur tribu. Laissez-le. Il faut juste lire son nom. Hein. Lisez le nom. Quand je dis les vérités, ils peuvent mourir. Vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Vous n'avez pas honte? Vous encouragez quoi? Hein? Vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Il est déjà en bain qui boucle ça. C'est là ce qu'il va pas bosser. Tu vois que quand tu vas dire qu'on va te porter plainte, Élise, je vais pisser sur moi. On va me porter plainte. Mais bilan, je suis dans un pays. Comme il dit qu'il est dans le pays des droits et des lois. Moi aussi, je suis dans un pays de droits et des lois. T'as compris? C'est pour ça qu'il fait de la provoque. Pour dire qu'il va porter plainte aux gens. Vous allez même knock. Vous allez knock le petit là. Vous. Je vous connais. Vous allez knock le petit son bain. Il va finir ici là même fou. Vous allez knock son bain. Parce que vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Vous encouragez quoi? Il est arrivé. Il a eu son parcours qu'il a eu. Demandez-lui d'aller travailler.
qu'il va bosser parce que même l'État belge ne va pas le nourrir. L'État belge ne va pas le nourrir toute sa vie. Le temps qu'il s'installe, le temps que ses dossiers prennent en cours, une fois qu'on va lui donner les papiers, qu'il aille bosser. Vous encouragez quoi? Ayez honte. Ayez honte. Si on chasse même Shakiro là dans la maison que le gars là habite avec, vous allez le prendre chez vous. Shakiro, tu n'as pas encore chauffé ton bain, mon petit frère. Tu vas chauffer ton bain. Et je te dis que plus méchant que nous en bain, il n'y a pas. C'est moi qui te dis la vérité. Tous ces gens qui viennent écrire des messages ici, machin, plus méchant que nous en bain, il n'y a pas. Tant que le gars qui t'héberge chez lui là te met dehors. Appelle même encore le numéro de quelqu'un que tu connais, que Shakiro, Shakiro. Appelle, la personne va répondre aux abonnés absents. Tente, tu viens d'arriver, mais tu vas confirmer ton code. Il n'y a pas de problème, mon frère, j'assume. Je suis une adulte, non, Olivier? Je suis une adulte. Je ne sais pas si c'est toi-même, Shakiro. Hein. Moi, je suis une adulte. Hein. Moi, je suis une adulte. Je suis une adulte. N'induisez pas le petit-là en erreur. Il vient d'arriver. Demain, même toi-même là, tu ne peux pas l'accueillir chez toi. On vous connaît ici comment ça se passe. Vous fermez vos portes. Il a eu la chance qu'il est venu avec son visa. Il est djoum dans le mariage une fois. Il est de la basse. Les gens de la basse, des petits mythos. Maman, tout ce qui est la basse. Shakiro, surtout, n'entre pas dans la basse. Ils vont finir de te fracasser là-bas. Et ils vont te jeter. N'entre surtout pas de la basse. N'entre pas dans les histoires de la basse, mon petit frère. Ceux-là, c'est des gens sans cœur. Tu connais leur historique. Faut demander à Serge Anango. D'abord, on viole les femmes. Toutes les femmes qui sont là-bas, on les a écrasées le pistache. N'entre même pas dans la basse. Parce que la majorité des gens de la basse ont déjà la nationalité. Quand je vois des petits... Élise, toi, Alain Takam, toi-même, Élise, tu es de la basse. Ah bon? Ah bon? Tu crois que parce que tu vas dire que je suis de la basse, tu m'as déjà vu dans vos manifestations. J'ai dit que j'ai failli. J'ai failli croire à votre mouvement. C'est deux choses différentes. J'ai failli croire que vous parliez pour le peuple, pour le changement du peuple. Mais non, vous parliez pour le changement du village. Du village. Ne lui donne pas conseil, ma soeur. Il ne t'a pas loupé. Et les gens étaient contents. Ah, ça, c'est un petit... Oh, mon frère, ma Mireille, c'est un petit frère. Il n'a pas encore choqué Mbeng. Il est arrivé, c'est tout beau, tout sucré pour lui. Il plane. Qu'est-ce que je peux bien lui dire? Qu'est-ce que je peux bien lui dire? J'ai déjà dit tout ce que je pouvais dire sur lui. Hein. S'il a les oreilles, il comprend. Les mêmes gens qui l'encourageaient là, ce sont les mêmes gens. Je lui ai dit, c'est-à-dire que si demain ou après-demain, il a des problèmes... Moi, Élise, je suis mariée, j'ai des enfants. Je vis en couple. Il y a beaucoup de nos soeurs ici qui vivent seules avec les enfants. Tu penses que si Shakiro a des problèmes un jour, demain ou après-demain, il appelle une de ses soeurs. Ma, pardon, je suis dehors. La fille là va d'abord regarder ses enfants comme ça.
Instinctivement, c'est l'instinct protecteur d'une mère. Elle va d'abord regarder ses enfants comme ça, que je veux bien aider Shakiro, mais mes enfants, si, hein, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Oh, quelle influence! Elle va fermer. C'est naturel. C'est l'instinct protecteur d'un parent. Ne trompez pas le petit là parce qu'il est encore naïf, il vient d'arriver. Vous êtes nombreux ici. Personne, je dis bien Shakiro, personne! Je dis bien que personne ne va te ouvrir la porte ici à Mbeng. Personne. Avec la lue que tu nous as montrée au pays là. Je dis bien que, écoute bien ma vidéo jusqu'au bout. Personne ne va t'ouvrir sa porte s'il a les enfants à la maison. Personne. Même les gens que tu n'imagines pas. Personne ne va te faire entrer chez lui. Mbeng, ce n'est pas le Cameroun. Jamin. Mbeng, ce n'est pas le Cameroun. Tous ces gens qui t'encouragent là, ils te trompent. Ils te trompent. Le petit gars qui t'héberge là, le jour que tu ne vas pas lui guider les lasses, le jour que tu as même les problèmes avec, il va te mettre dehors. Même chercher la graisse pour continuer ton chaos, tu n'auras pas. Laisse-moi les gens qui sont dans Facebook ici qui nous font semblant. Personne ne va t'accueillir chez lui. Tout le monde encourage sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, c'est tout le monde va poum. Garde bien ton foyer où tu es là. J'ai ton kaolo. Je dis bien que j'ai ton kaolo. Même ton frère du village ne va pas te prendre chez lui. Hein? Achoué. Demande à certains. 3 fois 100. Donc continue. Comme ils veulent se servir de toi, tu viens d'arriver. Ils veulent te... C'est comme ça qu'ils induisent les gens en erreur. C'est comme ça qu'ils induisent les gens en erreur. Tu es un petit arriviste, un petit yeah. Quand tu vas te retrouver dans les palabas ici, des blêmes ici, tu ne verras personne. Personne. Peut-être une Lélé comme toi, un Kwandongo comme toi, peut-être, et encore. Tu vas laver les assiettes, laver le sol, faire à manger. On va te traiter comme une merde. De Mbinda, tout le jour que tu refuses de Mbinda. Hey, ne parle pas pour ici. Même mettre ta caméra pour nous raconter tes mésaventures, tu n'auras plus le courage. Je dis que mettre ta caméra pour nous dire que mes soeurs, mes frères, je souffre ici à Mbengo. Oui, tu n'auras plus le courage. Tu ne connais pas le machiavélisme. Tu ne connais pas le machiavélisme des gens de Mbengo. Olivier, moi, je vais te bloquer. Ne cherche pas à transformer. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes intrusif. Je vais te bloquer. Tu comprends, non? Tu vas revenir avec un autre faux profil. Moi, je vais te bloquer. Attendez quand je vais traiter le fuck up de Karim Bibian Richaud. J'ai déjà son dossier là. Il est dans le congélateur. Je vais traiter le fuck up de Karim Bibian Richaud. Vous m'indexez partout, Élise à gauche, Élise à droite, Élise ceci, même les Calibi Calibo, Élise, Élise, Calibi Calibo, quand tu prononces le nom d'Élise, tu vois comment on voit toutes tes dents. Oh Élise, pourquoi tu dis qu'Élise, Calibi Calibo, tu n'as pas honte. Attendez. Calibi Calibo, tu n'as pas honte. Tu prononces mon nom dans ta bouche. Je veux aussi atterrir sur toi. Parce que ce sont vos gens qui me taguent dans vos vidéos. Élise, tu as dit ceci. Élise, tu as dit... Tu n'as pas honte. Même prononcer Samelima te dépasse. Samelima. On dit Samelima. Samelima.
Kalibikralibo, je vais m'asseoir sur ta gueule. Et ça ne chauffe pas. La liste est longue. Prenez les tabourets, faites la queue. Tu noignes, toi, ma doué. On te dit que je sors avec les Aous, les Mbambara. Où tu es qui? Un individu comme toi. Depuis que tu as Mbengbeng, ne te lave pas, mon frère. Ya! Même si tu étais les Sénégalais ou Camerounais qui sont nés au Cameroun, là. Mbengbeng, ne te lave pas, papa. Élise, il prononce mon nom avec amour. Tu sens un amoureux caché. Tu as fini de nier ces vieilles mères de la base. Les ménopausées de la basse, toutes les femmes ménopausées, toute la basse, les femmes sont ménopausées. Tu as fini de gnasse les ménopausées de la basse. C'est sur moi que je viens de tomber, Kalibi Kalibo. Moi, une jean fille, mon colo d'ayos. Une jean fille à Konolinga. Mais où, bon? Moi, je ne presse pas. J'ai dit que le direct, si c'est Shakiro, point à la ligne. J'ai déjà donné rendez-vous à Karine Bibian Richaud. Je te donne rendez-vous aussi à toi, Kalibi Kalibo. Le tapeur de bœuf. Même les tapeurs de bœuf sont plus riches. Les vrais riches au Cameroun, ce sont des tarifs. Ce sont des riches. Toi, tu t'assois. Tu es assis dans un coin comme quelqu'un a peur, qui a peur de gesticuler. Parle. Yang, mais au bon. Est-ce que moi, j'ai peur de vous? J'ai peur de vous. On va te porter plainte. On va te... Mouf! Et ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? C'est vous qui pleurez de mes sorties. Je n'ai pas pleuré de vos sorties. Depuis qu'une semaine, vous pleurez de mes sorties. Why? 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 Vous me tapez dans le système, vous pleurez dans mes oreilles. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Ce n'est pas vrai ce que je dis. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Si ce n'est pas vrai, pourquoi vous pleurez? Me casser les oreilles, pourquoi? Foutez-moi la paix, dis donc. Élise par-ci, on me tague à gauche, on me tague à droite, oh ceci, oh, vous pleurez quoi? Quand on est sûr de soi, on ne pleure pas. Quand on est sûr de soi, on ne pleure pas. Mais vous, vous pleurez. Mais pourquoi? Je vous ai tué qui? Je vous ai tué qui? Je ne vous ai tué personne. J'ai juste mis ma caméra et j'ai parlé. Toute la basse est en ébullition. À cause d'Élise. Vraiment, vous me donnez de l'importance, hein? Vous me donnez de l'importance mal. D'autres gens rêvent que vous parlez de. Au lieu de parler des gens qui veulent que vous parlez de. Mais c'est d'Élise que vous parlez matin, midi, soir. Elle a trop duré dans la vidéo. Si je pense que ça fait plus d'une heure que je suis en live, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'attends, hein, j'attends les plaintes. J'attends les plaintes. C'est de ça qui est ça. C'est de ça qu'il s'agit. J'attends les plaintes. D'accord? Je suis avec vous. Mais c'est d'Élise que vous parlez matin, midi. Vous m'aimez trop. L'amour de ça. À bientôt. Patricia, je n'ai pas encore touché Karine. Allez lui dire que bientôt je fais une sortie sur elle. Quand je vais faire une sortie sur elle, certains membres de la basse vont regarder Karine Bibian Richaud avec un air méfiant.
Je vous dis que, pas le boubou, mieux avoir une ennemie comme moi qui vous dit que je ne vous aime pas. Oh, que d'avoir une ennemie qui marche avec vous en faisant semblant de dire qu'elle vous aime. Comprendons, comprenez. Moi, vous connaissez mon statut. Mais les autres qui font semblant de dire qu'ils vous aiment là. Méfiance. Abimité. C'est fini. Prenez alors la vidéo aussi. Allez mettre ça où vous voulez.